Bonjour. Je m'appelle Zach. Zachary, puis je suis accro. Zachary. Zach. Zach! Je m'appelle Zachary. Je veux pas être ici. T'es en retard. T'as plus d'argent. T'as vu dans quel état que tu me gardes? C'est de ta faute si on est rendu là. Regarde dans quel état que t'es. T'es malade, Zach. Tu penses que t'es meilleur que moi? T'as besoin de moi. Tu le sais. Tu me tires à bout, Charlie. Je peux pas continuer comme ça. Tu dois. Pour nous. Sois pas lâche. C'est un loser anyway, hein. Ben, prouve-moi le contraire. Écoutez-moi ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui.
Comme je disais, est-ce que je veux que vous reteniez? Ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est qu'on est l'addition, la somme de tout ce qu'on a vécu. Hein? C'est normal, Marie, que t'aies réagi comme ça. C'est normal. C'est sûr que quand on pense à la réaction que Marie a eue à ce moment-là, c'est sûr que c'est difficile de s'empêcher de juger. Il faut réaliser que Marie n'a pas réellement eu le choix. Marie a eu cette réaction-là parce que dans ses expériences antérieures, parce que Marie a... Zachary, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me fais ça? T'es-tu folle? Sors de ma fucking tête! Lâche-moi, fuck! Après tout ce que j'ai fait pour elle, elle part comme ça, comme si de rien n'était. J'ai tout donné. La nuit, je fais des fucking cauchemars à cause d'elle. Quand je ferme les yeux, je peux même pas me reposer 5 petites secondes. J'ai tout dépensé pour elle. J'ai tout dépensé sur elle! J'ai pris une calisse de scène. J'ai payé mon fucking loyer. Je vais me ramasser à rue à cause d'elle. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine! Fucking shit, Charlie. Qu'est-ce qui se passe? Ça va-tu? Tu me fais peur. Pars pas. Quitte-moi pas, je veux pas que tu me laisses seule. J'en peux plus, Charlie. Tu m'aides, pis tu me détruis. Tu m'aimes, pis tu me détestes. Avec toi, c'est toujours oui, pis non en même temps. Je suis fatigué de toi.